Voilà, hello tout le monde, c'est Ednora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Let's Play spécial Hellblade 2 Senua's Saga. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Alors, Hellblade 2, c'est donc, vous l'aurez compris, un jeu fait par Xbox et développé par Ninja Theory. Et c'est donc la suite du fameux Hellblade 1, Senua's Sacrifice. Alors, je ne sais pas si vous y avez joué. En tout cas, je vous le recommande vivement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, déjà, l'histoire, elle est vraiment prenante. Le gameplay est vraiment très sympathique dans le sens, vous le verrez, où je vous conseille vivement de jouer ce jeu avec le casque pour la simple et bonne raison que, ben, si vous avez joué ou pas, tant pis, je vais spoiler, mais Senua, effectivement, a ce qu'on appelle un trouble de type plutôt schizophrénique. Elle entend des voix et Ninja Theory a vraiment réussi à retranscrire ses voix d'une manière très particulière. Je vous conseille d'ailleurs vivement de regarder les bonus dans le Hellblade 1. Vous verrez la manière dont le studio s'y est pris. Et donc apporte vraiment une touche authentique. On a vraiment l'impression d'être dans la tête de Senua et de vivre vraiment son histoire avec tous les troubles donc psychotiques qu'elle a. Donc dans ce Hellblade 2, ben évidemment comme c'est annoncé, on vous conseille aussi vivement de jouer avec le casque, chose que je fais, hein, on va voir du coup si le numéro 2 tient toutes ses promesses par rapport à l'opus précédent. Moi, j'y ai pas encore joué, donc on va vraiment découvrir ça pendant une heure ensemble et voir si effectivement ça vaut le coup ou pas. Allez, on y va, suivez-moi. Senua, the outcast who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself. Just like her mother, Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father, Zinbel, told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness,
lost in a maze of misery and confusion. Until Dillian's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind, and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of Hell's Gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped, not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on, and to take us with her. Voilà, donc vous l'aurez compris, comme dit dans ce résumé, hein, Senua, elle souffre du même trouble psychotique que sa mère, donc probablement un trouble schizophrénique avec peut-être un syndrome de paranoïa, mais bon, on va pas rentrer trop dans les détails de la psychiatrie. Mais voilà, donc elle a ce trouble, effectivement, et puis vous le savez, hein, à l'époque, enfin, vous vous en doutez plutôt, à l'époque, ben, tout ce qui était trouble un peu psychotique était mis de côté. Et donc son bien-aimé, pendant une invasion, s'est fait malheureusement sacrifier. Et quand elle revient, eh bien, elle décide de faire renaître son bien-aimé, l'être qu'elle aime, Dillon. Et pour ça, elle va devoir affronter les dieux. Et notamment, à la fin, sans spoiler trop, évidemment, vous verrez si oui ou non, elle gagne ce fameux combat pour pouvoir faire revivre l'être qu'elle aime. Et donc, durant tout ce périple, pendant le premier opus, eh bien, il y a toutes ces voix, toujours, qui lui disent plusieurs choses, hein, assez contradictoires, « Vas-y, tu peux y arriver », ou bien « Non, abandonne, ça sert à rien ». Donc, voilà. Donc, ici, on a le fameux gameplay. Donc, on va devoir se concentrer, et on va devoir se concentrer. Donc, c'est les deux mêmes touches. Ça va, bloquer avec RB et sprinter avec LB. On va avancer, on va reculer. Bon, bah ça, c'était bon. Il y a un mode photo, apparemment. Non, pas apparemment, mais il y a d'ailleurs un succès assez rapide où il faut juste ouvrir le mode photo. Bah ça, je vais le faire et puis je vous laisserai le faire en appuyant sur le D-pad en haut. Et puis, surtout, les touches de combat, ça, c'est très important. Donc, on frappe fort avec Y et puis rapidement avec X et on esquive avec A. Alors, je suis très, très nulle pour les esquives et je suis très nulle aussi pour bloquer. Donc je pense que je vais mourir une bonne dizaine de fois, mais c'est pas grave, ça va au moins vous faire rigoler. Donc c'est pas plus mal. Allez, on y va, on commence. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land.
stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are. Beating and finding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. And one among them they call Master. Follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. But plans can drift off course. Begins as it ends. Alone in the dark. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. But Dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by, find the next sign. Bon, on va pouvoir avancer. Mais beaucoup de... Ça fait beaucoup de narration, là, pour l'instant. On garde, parce que en plus, dans ce jeu, il y a des collectibles. Lost in a world still clouded to her eyes.
but she won't yield. She must fight on, as she always has. Remember? We've been to hell before. Look. There it is. This is only the beginning. Climb somewhere. Climb! She's hurt. I'm so tired. She's going to fall. No! Careful, Senua. Come on. Climb. Come on. Don't listen to me. Don't listen to me. Listen to your mother. Coward! Why have we come here? Stupid! Come on, climb! She's too exhausted. Exhausted? It's too much. Don't look down. Don't let the fear get to you. Voices draw her onward. The ones who didn't live. The ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. She is afraid, exhausted. Why did we come here? She's stupid! Stupid. Ready. Ready. You should not have come here, child. She had left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. En tout cas, pour moi qui joue là avec le casque, les voix sont vraiment bien faites. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont dans ma tête à moi. C'est assez flippant d'ailleurs. Mais voilà, et vraiment le début du jour, on dirait un film hollywoodien avec le générique, le nom des acteurs qui ont participé au jeu. Donc c'est assez bien fait. Beaucoup de narration quand même, cela étant, mais je pense que ça va s'atténuer. She needs to go to her quickly.
Je pense donc que ça va s'atténuer avec le temps de jeu. Alors. Est-ce que c'est par là? Ou est-ce que c'est par là? Non, alors ça départ, c'est pas par là, donc ça doit être par là-bas. On va courir un peu, donc on court avec la touche LB pour les joueurs Xbox. Alors, le petit chemin. Donc, je rappelle, il y a des collectibles à faire. Il y en a 35. Et on a là déjà un premier collectible. Et on se concentre donc avec LT ou LT ou RT. I am with you still. Out of hell you have come and now find yourself in Midgard, the world of man. Do not think it. Bah, je pense qu'on est bon. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart. Place to the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer, and this is one of their lands, as icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been claimed, and they try still. Donc je suis allée vérifier sur mon téléphone, donc j'ai bien activé parce que ça me fait 5% pour le succès. Donc on est good. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je vais faire un autre succès, mais qui va pas popper là sur votre écran, mais c'est pas grave. Donc, c'est le succès où il faut allumer, enfin plutôt ouvrir le mode photo. Et donc, pour ça, c'est 10 pads vers le haut. Voilà. Et donc, ça apparaît sur mon écran, mais ça apparaît pas chez vous. Donc, premier succès obtenu d'ouvrir le mode photo. Et on va quitter le mode photo. On est good. Voilà. Effectivement, j'ai pas d'armes, je vais pas aller bien loin. C'est... Je sais pas trop où il faut aller. Bah, j'imagine que c'est par là. Je vois un homme là-bas, donc c'est un peu mal barré. Ah non. Ah si. Donc apparemment il fallait être plus rapide, my bad.
ma manette vibre. Je sais pas si je peux avoir une arme dans le coin. Non, alors j'ai vraiment pas d'arme. Ouais, je suis très clairement perdu. Est-ce que c'est par là? C'est par là non plus. Je veux bien, mais je suis perdue. Alors. C'est par là par hasard. Ah, c'est sûr, je suis très clairement perdue. Ok. Allez, on se concentre. Alors, le symbole, il est par là. Donc on va essayer de se mettre plus par là pour la voir, voilà, comme ça. Voilà. Et donc on appuie longuement sur RT ou LT. Bon. On va aller vers le bateau. Là, non.
Ah ouais, je suis responsable de rien, hein. Je dis juste, hein. C'est passé par là? Oula! Donc, j'ai obtenu ma première épée. Cool. Alors, on va essayer de se battre. Ok, il faut que je pars, hein. Bon bah voilà, moi j'ai vraiment appuyé au pif, hein. Y, X, A. Attendez, on vient de là. Je peux pas lui prendre des trucs à lui? J'entends des bébés. On va passer avec A. Bon, Y, et on part. Oh, comme tout à l'heure. Après le chemin. Bon, j'appuie au pif, hein. Bah alors ? Il veut pas se laisser faire. Oh, faut que je revoie les touches de combat, hein, parce que moi je suis pas très douée là dans les combats. Je cours, mais le boat.
Just hold on. I'm coming. Alors, je vois pas grand chose. Donc j'appuie sur la touche A pour essayer d'interagir avec les choses et j'avance. On va voir où ça nous mène. Donc là, on va continuer à avancer, on verra bien où ça nous mène. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Oh my god, non! Ouais, il faut vraiment que je parte. Allez, allez, allez! Oh, il est plus coriace celui-là! Allez, go! Voilà! Oula, godness! Bon, bonne parade. Bon, stop maintenant, ça suffit. C'est où la suite? Est-ce que c'est par là? Yeah.
Et j'imagine que lui, c'est le grand boss. Hein. J'ai pas eu le temps de parer. J'ai pas eu le temps de parer. J'arrive pas à parer des masses. Oh, il est costaud celui-là. Bon, elle veut pas se laisser faire, hein. Ouais, mais j'essaye, hein, je te jure, hein. Ouais, j'essaye, mais... Mais sacré morceau de combattant, là. Ah ouais! Ouais, je fais ce que je peux. I know qui pourrait me tuer s'il le voulait. Eh, il est compliqué celui-là, hein. Grab it!
now. You can't kill him. Stop. Look. The dog. If you're going to kill me, just do it. But you need him. You need him to show you. He knows everything. He knows this island. No. He knows. He can show you the path. You're gonna take me where I need to go. Yes. Yes. God. He will take you. He will show you. He has to. He will help you. You have spared him, and now he will take you where you need to go. You can do this. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. You'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. You promised. I made a promise. She knew the path would open to her. A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. You can see it. Do you remember it? She knows that suffering. That feeling. Poisoning her mind with fear. That rot. Covers him now. Covers him. Do you see it, Senua? Sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father, Sigil. His father. Your father. Huh? The Golthi. The monster. He's here. Look at him. No. Shadow. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like you. Does she? Enough! Alors. Ah, j'ai eu un autre succès qui s'appelle Survivre à l'échouement, capturer le maître. Donc, là, je suis pas si nulle que ça. Ça va. On va pouvoir avancer un petit peu. Et puis, on va essayer de trouver les collectifs, puisque là, nous sommes dans le chapitre 2. Alors, je vois un truc au fond là-bas. Est-ce que ce serait ça? Voilà. Je me disais bien que je voyais quelque chose. Alors, on se concentre. Et là, on a le deuxième signe. This land you have come to. Alors ensuite, il faut que je retrouve mon copain qui est parti. Et il est où mon copain? Il était juste en face de moi. Tout va bien. Ok.
further. Something's wrong. What happened to him? It smells of death. He doesn't want to. The settlement has fallen to the Draugr. Draugr? There is nothing but death. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Everyone. Help us. You want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, slaver. We'll find another way in. Alors, je peux pas aller par là apparemment, donc on va aller par là. I will take you to my people, like I said. Not into this settlement. You have no idea what you're walking into. He wants you to die. Just turn around. No, we can't leave. Attends, je regarde si je trouve d'autres cailloux là. Damn you. Why won't you listen to reason? Non plus. On va avancer avec copain. I thought your father protected these people. He does. He did. You can't protect people from their own stupidity. It looks like they let their guard down. They brought this on themselves. En tout cas, le coucher de soleil est superbement bien fait. Les graphismes sont juste incroyables. J'avoue que là, Ninja Theory s'est surpassé. Déjà dans le premier, c'était très bien fait, les expressions faciales de Senua. Mais là, on a atteint un autre level. C'est vraiment... Là, je tire mon chapeau, quoi. Bon, je cherche les cailloux parce que les collectibles, j'ai pas envie forcément de les louper. You see these graves? This is how we honor our dead. There will be no one to bury you. Est-ce que là j'en vois? Je crois pas. These graves are new. So many bodies. Là non plus. These graves. What happened? I told you. Draugr. Draugr. Who are they? They won't just kill you. Are they from this world or another world? It is far worse. It is what they do after. They will kill you. They will kill us. You still have a chance to save your life if you stop now. He is scared. Why? Why is he scared? He knows what they are capable of. Draugr. Why would you bring him with you? Are you sure you want to? She has to leave him here. He will be a burden to you. But what if he escapes? What are you going to do, Senua? What are you going to do? Decide. Alors là, j'avance pas, hein. C'est pas moi qui avance. J'ai pas forcément envie d'avancer. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait, ça, y a pas à dire. Ça, c'est clair. Mm-hmm.
I am going in there. Look at him. Wounded. Hurt. Defeated. But you need him. No. You're not. But we need him alive. He will try to escape. She has. Go on then. Do it. Don't let the rage get the better of you. The rage is coming. Just moments ago, he tried to kill you. You shouldn't have saved him. This was a mistake. He enslaves people. On voit même sa transpiration, c'est impressionnant. Bon, on va rentrer là-dedans alors. Voilà. Est-ce qu'on peut aller par là? Non, pas forcément. Est-ce qu'on peut passer par là? Ok. On va aller par là. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose là. J'ai l'impression d'avoir les mouches qui volent vraiment au-dessus de moi. C'est désagréable. Ah! On a une porte. On va se concentrer. Et il faut qu'on trouve une sorte de... de caillenté. Ouf. Alors... Free from. Look for the sign. You will find your deepest, darkest memories. Oh là 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 là. Est-ce que c'est plus bas? Là, on a un cas. Alors, est-ce que ce serait par là? Là, il y a un autre cas. Le truc que j'aimais un petit peu moins dans le premier, c'était bien ça. Là, j'ai un cas là. Alors. Là, il y a il y en a deux. Là, là, là. C'est pas notre cas, là. Hmm.
is getting closer. Yes, she can feel it. Voilà, là c'est le T. Ok. Et il me manque encore l'autre cas. Je reviens plus en arrière. Wait. Alors, le problème, c'est que j'ai. Ouais. Ça doit être celui avec la barre, là, non? C'est pas un cas, ça? Dans l'autre sens? C'est pas par là. Il y a la barre, mais il me faut un petit. Faut que j'arrive à passer de l'autre côté en fait, mais je suis pas sûre que j'y arrive. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, quoique, peut-être. Si je me mets derrière. Ah, voilà. Je vois les lettres qui s'affichent comme ça. Il faut que j'ai un autre angle de vue, mais je vois pas trop quel angle c'est. La barre, elle est là. Là. Si je me concentre, je ne l'ai pas. La barre est là, ça va descendre. Bon. Je veux pas non plus passer 3 heures non plus là-dessus. Ouh, il y a des mains. Change l'angle. Là. Le problème, c'est que j'ai que cette partie du bas. Donc, on doit déjà être dans l'autre sens.
À moins que je me mette... passer par là. Ouais, donc c'est forcément de l'autre côté. C'est des mains. Ouch. Pas remarqué que c'était des mains. Est-ce que il faudrait que je me mette peut-être un peu plus en hauteur? Ah, est-ce que peut-être... Est-ce que si j'arrive à grimper là-dessus... Par le plus grand des hasards? Est-ce que je n'y arrive pas non plus? Au revoir. Ça devient. Ouais, non, il faut que je passe par là. Donc, il faut que je monte. Gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas forcément d'aide. Attendez. Là. J'ai un bout de chemin par là. Alléluia. Bon, j'aurais mis une demi-heure rien que pour ça. Mais... Oui. Du coup, je peux open la porte. Et oui, je sais pas pourquoi, je veux grimper à tout prix. Allez, on descend. Ça me semblait être une bonne idée de monter. Et je suis en train de refaire tout le tour, ça sert à rien. Donc c'est par là-bas. Le problème, c'est qu'évidemment, je ne sais plus par où je suis passée. Ouh. Et je vais pouvoir partir.
she's singing? Can they see her? Do you remember? That song. Sam, we've come home. It's your mother. So come in. Can you hear us? It's good. She's singing. It wasn't all bad, was it? That voice. It will help you get through this. It will. Listen, the burning. You remember me, Sam? They are coming. Smoke. Hide that chilling sword. The Northmen are coming. They are coming for you. Remember what they did to you. How your village burned. Ah, j'ai pas compris, focus, focus. Alors là, ça va être plus compliqué. Donc il faut appuyer sur les touches en même temps pour le combat et la concentration. Drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Keep it close. Don't let the past stop you. Don't let it drag you down. Your destiny awaits. Look up. Oh.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour le let's play. Par rapport au 1, effectivement, toujours cette immersion totale dans la tête de Senua, si vous avez effectivement le casque sur les oreilles. J'ai même l'impression que j'ai les mouches qui volent vraiment autour de moi, donc c'est assez flippant et assez impressionnant. Point de vue graphisme, franchement, incroyable. J'ai vraiment... Alors déjà dans le 1, j'avais déjà l'impression d'avoir l'actrice en face de moi, mais là, doublement avec les couchers de soleil. Là, vous voyez à l'écran, à l'heure actuelle, une sorte de fin de journée. Donc, vraiment très bien fait. Les couleurs, enfin la palette des couleurs, les expressions faciales, tout ça, c'est hyper impressionnant. C'est vraiment très, très prenant. Beaucoup de narration entrecoupée avec des scènes d'action, de combat. Donc ça peut être assez sympathique, comme ça peut être un peu lassant. Donc faudra voir un petit peu plus tard dans le jeu ce qu'il en est. Et puis par contre, système de combat un peu précaire avec les touches Y, X, A pour parer, pour esquiver, et puis RB pour parer. C'est vrai que moi personnellement, j'ai plus l'habitude de combattre avec les touches, avec les gâchettes. Je pense notamment aux Assassin's Creed, mais c'est une main qu'il faut avoir, c'est une main qu'il faudra prendre. En tout cas, je vous conseille aussi de jouer dans le noir total, parce que j'ai eu la bonne idée de laisser une ombre de lumière, et c'est vrai que point de vue visibilité, je vois pas grand chose. Donc voilà, je saurai aussi moi pour la prochaine fois qu'il faut que je me plonge entièrement dans le noir, ça peut être assez sympa. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit let's play vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez l'intention d'y jouer ou non, pourquoi, comment. Laissez-moi toutes vos idées sous la vidéo. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.